De retour dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. Vous venez d'écouter deux sons. Vous venez d'écouter notre artiste Sango avec le titre Afro Night et notre ennemi national, ennemi Michel, avec le titre Merci, merci la vie. Vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. Aujourd'hui, nous avons comme invité, ils vont arriver, Jackson Télémaque et Monsieur Sango.
Vous pouvez nous écouter sur l'Audio Nord depuis les États-Unis en composant le 605-475-82-92 sur le WhatsApp 07-81-28-31-76 ou alors vous avez la possibilité d'aller sur le net www.radiopassionculturelle.com, l'Audio Nord ou alors sur la plateforme Média Lacaï. Nos invités du jour sont M. Sango et M. Jackson Télémac qui va pas tarder à arriver. Je vais profiter pour vous parler un petit peu de notre premier invité. Le premier invité de ce jour, c'est M. Jackson Télémac. Jackson Télémac, c'est un musicien qui est né le 4 juillet 1976 à Haïti. Il vient de Fondénègue, dans le sud du pays. Alors, ce chanteur, ça fait un petit moment qu'il est en France. Il travaille en tant qu'artiste. Il est artiste et il nous fait de la musique racine, de la soul music. Il va pas tarder à arriver. Il sera là tout à l'heure pour nous parler un petit peu plus en détail de lui. Actuellement, Jackson Télémac travaille sur un projet intitulé « Primitif de la ville », 5 morceaux de musique qui racontent une histoire initiatique à travers les grandes villes du monde. Dans cette création, toute la dimension organique de la musique est incorporée. Les chants vaudous se mêlent au slam, au rythme du corps et aux mélodies actuelles. Les tambours haïtiens, eux, côtoient une guitare électrique instinctive afin de faire entendre le sacré. C'est le projet de M. Jackson Télémac. Nous avons aussi comme invité aujourd'hui M. Sango. Sango, il est auteur, compositeur et interprète d'origine camerounaise. Il vit et travaille à Paris depuis bientôt 30 ans. Il a grandi à Douala au sein d'une famille qui compte de grands musiciens. Son aïeul, l'autun Sam Pasteur, qui a œuvré pour la libération de l'homme noir, il noue les relations avec les prédicateurs noirs américains Marcus Garvey, auteur, compositeur de plusieurs cantiques populaires, dont T.T. Combo, sa grand-mère Mabel Nseke, cantatrice hors pair, mais aussi de simples amateurs comme son père James R. Moukoko, fondateur du premier festival de musique camerounaise dans les années 70. Bercé par les chansons de Manu Dibango et Kambi, Brillant, Fela, Kuti, Charles Lambé, Prince Nico, Mbaga ou encore Nkambi, qui deviendra son parrain musical, ainsi que par les musiques traditionnelles, le Makossa, le Bolobo. Il découvre dès l'âge de 10 ans différents instruments et confectionne lui-même son propre instrument. À l'adolescence, il apprend à jouer de la basse et se produit avec le groupe Bolo. La proximité avec le Nigeria voisin lui permet de découvrir les nouveaux venus d'Amérique, de Nougaro à James Brown, en passant par Gasbo, Otis Redding ou Marvin Gaye. MJ, Prince, ses goûts musicaux tracent les diagonales entre des univers parallèles et l'emportent au-delà de ses racines africaines, dont on trouve néanmoins la trace dans l'œuvre de ses artistes. Arrivé en France à l'âge de 20 ans pour poursuivre ses études, Sango prend très vite qu'il veut se consacrer exclusivement à la musique. Il commence ses valises à peine posées. Monsieur Sango va pas tarder à être là avec nous tout à l'heure. Et on va continuer à écouter ses musiques. Tout à l'heure, on a écouté l'Afro Night. Et tout à l'heure, on va encore écouter d'autres compositions de ce grand artiste. Il sera en concert le vendredi 27 juillet 2018 à 20h30 sur la péniche Bauer 2, pylône 2. 19 quai de la gare à Paris dans le 13e arrondissement pour son nouvel album Et Yala. C'est un artiste Makossa, soul, afrobeat. On va partager justement cette information et sur les réseaux sociaux, on va le partager au maximum pour aller encourager l'artiste Sango.
Et tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu plus en détail de notre deuxième invité qui est Monsieur Jackson Télémaque. On va faire une petite pause et on revient dans l'émission Les Carnets de Lise avec Lydia Antoine et nos invités qui arrivent. Merci beaucoup. Oui.
On m'a pas de langue en banja, oui, non, yolan. Ponana, ponate, il m'a tombé. Il m'a pas de bis en banja, oui, non, yolan. Dolo longo, et bien longo. Si bis en longo, la moule, mana, regisane, wa mobino. Il s'appelle Ipangemon.
na soni mbo wasuwa Isope di ponge moye Ese le soni kongo sae Nima ni mele biso wase Oh eh Nasibiwe ni timbala no Ya la mutu de ye mutu Nasibiwe ni timbala no Ya la mutu de ye mutu Binyo wana soni mbo wasuwon Isope di ponge mo Na soye kumbwa suon Isope di ponge mo Ese le soni kongo sae Nima ni mele biso wase Na sibiwe ni timbala no Ea la mutu nde ye mutu Na sibiwe Tu remets un petit peu, tu me mets un angle. Tu fais du samba. T'as pas une idée? Oh, c'est bon, il n'y a que Sango là qu'on passe alors.
paroles. Black Alex Vinyl Team, Jesse Brown Vinyl Team, et Monsieur Nason dit, et Monsieur Bella, on s'est fait le lieu du papa, mais Patrice Miel. Yeah.
Chemin de mon quartier. Est-ce que tu es avec la voiture là? Oui, chemin de mon quartier. D'accord, chemin de mon quartier. Il faut continuer juste. Il y a un petit parking qu'il faut tourner. Je sais pas comment t'expliquer ça. Chemin de mon quartier, au 141 avenue. Que le temps a effacé, oh, tu as tellement bien caché la tienne, toi. Non, c'est pas celui-là, l'immeuble marron sur 2-3 étages, non, c'est... Tu as tellement exposé ta beauté, que le temps l'a effacé. Bâtiment A, Porte Rouge, chemin de mon quartier. Bâtiment A, Porte Rouge, chemin de mon quartier. Le temps efface. Non, t'es dans le parking, là, t'es dans le petit parking. T'es dans le petit parking. Le temps préserve. Oui, voilà, c'est ça. La porte rouge au fond. La beauté cachée, mes pas. Attends, j'arrive. Le temps efface. La beauté de surface, madame. Le temps préserve. La beauté cachée, mes dames. À la beauté de Baudelaire. Putain, qu'il est beau ce poème. Baudelaire, que le temps préserve sa beauté. Tu as tellement exposé ta beauté, que le temps l'a effacée. Oh, tu as tellement bien caché la tienne, toi, que le temps l'a préservée. Partout où je vais, je traîne le sacré derrière moi, même lorsque ce sacré est un boulet. L'œuvre est là, sous nos pieds, sous nos yeux et au-dessus de nos têtes. Elle est encore plus à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes donc à la recherche de l'œuvre. Abracadabra, voici et voilà l'œuvre. Il est 23h58, je suis avec un groupe d'amis qui me ressemblent. Faisons la queue pour entrer dans ce nouveau club dont nous avons tant entendu parler. Nous sommes dans une grande ville d'un pays du monde. De petits groupes d'avant nous entrent très facilement. Ce sont des habitués. Le videur qui préfère qu'on l'appelle physionomiste les laisse entrer sans les calculer. Le chef videur ou physionomiste vient même leur claquer la bise. C'est enfin notre tour. Les filles donnent les tickets d'invitation et disparaissent. Les garçons disparaissent derrière les filles. C'est vrai que dans ce genre d'endroit, les filles entrent très facilement. Pourtant, nous savons que le monde n'est pas facile pour les filles bientôt femmes. Pourquoi est-ce si facile d'entrer dans ces genres d'endroits pour une femme? La question mérite d'être posée. J'ai une petite idée de la réponse, mais je préfère la garder pour moi. Je suis à l'endroit du club, seul. Ce soir, c'est Titi Rissa et Gordon. Je ne l'ai jamais vu ni entendu mixer. Mais ce qu'il paraît, il assure un max. Enfin, avec les filles comme passeport, nous avons réussi à entrer avant minuit. Avant que ne commence le set du DJ Psycho. C'est lui la sensation du moment. Il est exactement 23h59 et 59 secondes. J'entre pour de bon dans le club.
Dieu est nous. Dieu est une personne. Il n'y a rien de plus universel qu'une personne. Nous plongeons dans l'histoire en hommes et femmes, en espérant que nous remonterons en humains dignes. J'entends cette musique. Cette musique me dit vaguement quelque chose. Une voix retentit et dit: que se passe-t-il à minuit? Nous devons de l'endroit où on se trouve. Ici, si on est de la nuit, on sait qu'à minuit, il se passe des choses. Ce qui est sûr, de sa part pour sur la planète, à minuit, le soleil a fait place à la lune depuis déjà quelques heures dans cette étendue d'en haut qu'on appelle aussi ciel. Leurs enfants, les étoiles, jouent comme des enfants chamaïens, ce qu'elles sont, les plus turbulentes. Ça, c'est dehors, dans l'étendue d'en haut. Mais là, à côté de moi, dans ce club, je vois un joli couple qui danse. Ils dansent langoureusement, c'est beau. Dans la chaleur de la nuit, la beauté est là. Je ne sais pas pourquoi, je me mets à imaginer une mère qui réessaye pour la énième fois d'endormir son enfant. J'entends cette mère raconter une énième histoire. Je la vois se lever et essayer de porter la chambre de l'enfant sur la pointe des pieds. Hélas pour elle, l'enfant se réveille inexorablement. L'enfant ne veut pas dormir. Je vais encore plus loin dans l'imagination de l'intime. Et là je vois un couple qui danse. Ils dansent tel ce couple qui danse à côté de moi. Sauf que eux le font allonger dans leur lit, sous leurs bras. C'est beau aussi. Si le soleil est sexy, la lune l'est encore plus. La nuit est douce et chaude lorsque l'on ne dort pas et que l'on a de l'imagination. Sexe le jour différent du sexe la nuit. J'imagine aussi des gens de la nuit avec des mauvaises pensées, car ces gens existent. La nuit comme le jour, les mauvaises personnes et pensées ne dorment pas. Ils existent, vivent et en ont tout à fait le droit. La nuit n'est pas l'inverse du jour. La nuit est le complément du jour. Allez, ou l'inverse. Je fixe à nouveau mon regard une dernière fois sur ce joli couple qui danse et change d'étage. Là, je ne reconnais plus rien. Cette musique, c'est quoi cette musique? Ce rythme, il va où ce rythme? Chers auditeurs, auditrices de la RPC Radio Passion Culturelle, petite excuse parce qu'on a eu un petit souci. Voilà, les invités sont là, sont bien là avec nous. On a Jackson Télémac. Bonsoir. Bonsoir Lydia. Bienvenue. Bonsoir à tous les bienvenue auditeurs. Dans les studios de la RPC. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices de la radio Passion Culturelle. Bonsoir Monsieur Sango Ndedi. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans l'émission Les Carnets de Lise. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit ce soir. Hein. Ce soir, merci beaucoup d'être là. Je suis très content. Voilà, on a démarré l'émission un petit peu, un petit peu en retard. Bon, oui, désolé, chers auditeurs. Non, non, non. Désolé. Hein. Et merci d'être là, merci d'être avec nous. J'avais déjà commencé à parler de vous un petit peu. Jackson Télémac, il est né en Haïti, c'est bien ça? Ah, il vient de Fondénègre, dans le sud d'Haïti. Ouais, c'est ça. D'accord, il est arrivé en France il y a quelques années. Ouais, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant. Ah, ça fait un petit moment quand même. Ouais, bien sûr. Et de là, monsieur Jackson Télémac va nous parler un petit peu plus en détail de lui. Moi je suis musicien, auteur, chercheur d'idées. Et puis j'écris deux nouvelles, deux contes qui sont été publiés. Un compte d'auteur, le compte s'appelle Necfei, qui est édité à la maison d'édition de l'Avant-Courrier, c'est une maison d'édition associative à Saint-Denis, donc je travaille beaucoup autour du territoire. Et puis voilà, c'est mon musicien depuis pas mal de temps. Auteur, compositeur. Compositeur, interprète. Interprète, puis, actuellement tu travailles sur un gros projet qui s'appelle intitulé Primitif de la ville. Oui, c'est mon futur projet parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de disque. Donc, puis en ce moment aussi, le disque comme objet, la musique aussi comme objet, l'art en général mérite d'être interrogé. Donc, moi, je fais le parti pris de pas seulement faire un disque, mais de faire un livre qui va accompagner le nouveau projet que je suis en train de préparer pour donner aux gens un peu plus que la musique parce que. Maintenant, tout le monde fait beaucoup de musique avec l'électronique. C'est très intelligent. On peut beaucoup faire
de la musique sans vraiment savoir faire de la musique. Et donc moi, j'ai décidé de me servir de la musique que je fais depuis toujours, mais d'aller plus loin, de faire un livre disque. Quoi. C'est intéressant. C'est-à-dire que mettre les choses en musique, les histoires en musique, et puis toujours, dans l'idée de faire connaître ou de partager la culture haïtienne, qui est quand même une culture... Haïti, je pense, est une grande puissance culturelle, donc on doit commencer à se servir du soft power haïtien pour faire briller l'idée haïtienne pas dans le monde, enfin partout où on va. Oui, à travers le monde, hein. À travers le monde, de toute façon, vous êtes un artiste très varié. La soul, racine, un petit peu de compas aussi. C'est un mélange. Moi j'adore la musique compas, mais c'est pas vraiment la musique que je joue. Parce qu'il y a des gens qui le jouent tellement bien et que moi j'ai pas vraiment baigné là-dedans. Mais après je m'influence de toutes les musiques d'Haïti pour essayer de faire la mienne. Très bien, Jackson. On va passer à Monsieur Sango. Bienvenue encore. Merci. Il est originaire du Cameroun. Ça fait plus de 30 ans à Paris aussi, bientôt 30 ans. Eh oui, papa. Il a grandi à Douala, au sein d'une famille musicien. Hein. Papa était musicien? Non, papa était un mélomane hors pair. Un mélomane. Mais c'était surtout un fou amoureux de la musique, à un tel point qu'il a organisé le premier festival de musique camerounaise dans les années 70. Très bien, vous aimez la musique noire américaine, hein? Marcus Garvey, il y en a plein d'autres. Hein? Ben oui. Otis Redding. J'aime tous nos grands frères en fait. Marvin Gaye. Ouais, nos grands frères, il faut dire les choses. Gainsbourg aussi, ouais. Oui, et vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de vous, sachant que vous faites du Makusa, l'Afrobeat, la soul music. Alors, tout ça, ce sont des noms. Moi, j'appelle ma musique l'Afrobac. L'Afrobac. Ouais, il va falloir que les gens s'habituent à ça. C'est l'Afrobac. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'Afrobac? Je vais développer un tout petit peu l'Afrobac parce que bac pour retour, hein. En anglais, tout le monde est d'accord là-dessus, donc on parle souvent en anglais. Donc, Afro, Bac, pour retour. C'est-à-dire que j'ai écouté ce que fait Jackson. Tout à l'heure, Jackson, j'ai vachement aimé. Quand on écoute nos musiques, il y a toujours quelque chose qui lie tout ça. Et on est inspiré par tellement de choses que tout ça nous appartient, en fait. Oui, on ne peut plus dire, si dans le compas, tu vas écouter du reggae, il va y avoir du reggae dedans. C'est un mélange de culture. C'est un mélange de culture. Donc on se retrouve toujours parce qu'on a la même racine. Et donc, du coup, comme ma musique, en tout cas cet album, le parti pris, c'était de faire en Douala, il aurait fallu que j'explique un peu ce que c'est comme musique. Tu as cité le Makossa, il y en a plein d'autres que tu n'as pas cité. Oui, il y a plein d'autres. Le PVL, il y a tellement de styles. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Donc, moi, je me retrouve dans toutes ces musiques-là. Sauf que ma synthèse, naturellement, elle converge toujours vers ce que je fais, que finalement j'ai appelé l'Afrobac, parce que ce n'est ni de Makossa, ni de la funk, ni de la soul spécialement. C'est un mélange de sons, alors. Mélange. Oui, on peut appeler ça. C'est un truc qui est, comment te dire ça, quand tu as ta façon de conduire, tu as ta façon de conduire. Ce n'est pas parce que tu es haïtien, africain, chinois, tout ce que tu veux, que c'est ta façon de conduire. Tu conduis comme ça et donc voilà, c'est ma façon de rejeter en fait, de redonner ce que j'ai ingurgité moi à la base. D'accord. Non, c'est très bien expliqué tout ça. C'est très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Jackson? Oui, c'est le langage musical. Est universel. Oui, ce que dit le frère Afrobac, moi je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant. Hein. Parce que il y a quelque chose en ce moment. C'est comme si on retrouve le monde tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire où les choses ne sont pas séparées. Et quand il dit Afrobac, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'humanité a fait un tour et les seules personnes à qui ils n'ont pas posé la question de savoir ce qu'ils pensent vraiment du monde, moi j'ai l'impression que ce sont les Africains. Et c'est donc, vrai. C'est vrai. C'est tellement joli.
Et donc pour le coup, ben nous on est là, on diffuse le message, on diffuse cette pensée pour dire aux gens en général, que ce soit en Chine, en Russie, en France, le monde occidental ou le monde entre guillemets soi-disant développé, ben ils cherchent beaucoup de choses. Et en fait, ce qu'ils cherchent, c'est nous qui l'avons. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas nous demander à nous. Tu vois. Et donc, du coup, nous, on essaye, on crie pas dans le désert, mais on dit aux gens, mais ce que vous cherchez, on peut vous aider à l'obtenir par la musique, par la pensée, par la philosophie, bah oui, et tout ça. Les gens, ils cherchent en ce moment, et tout le monde fait du yoga, tout le monde... Et on sent bien que le monde... Les gens, malgré leur bonheur supposé, richesse, ceci, cela, on cherche du bien-être. Et en fait, ce truc-là, s'ils ne nous demandent pas à nous, moi je fais un parti pris, je dis aux gens, si vous ne nous demandez pas à nous, en fait, vous n'arriverez pas à trouver la chose. Tu vois, c'est, ils peuvent aller en Inde chercher les savoirs des Indiens, ils peuvent aller en Chine chercher les savoirs des Chinois, ils peuvent aller partout. Mais il faut toutes les forces pour que ça réussisse. Absolument. Et j'ai l'impression que la force qui manque au monde, ben, c'est nous. Et donc nous, on doit faire en sorte pour dire au monde, la chose ne va pas se passer sans nous. Et donc nous, on est là aussi pour aider ce monde-là à s'accomplir. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que le message, on ne se connaît pas, mais j'ai l'impression que le message qu'on a envie de faire passer, qui vient aussi de l'invisible, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Mais c'est... beaucoup de ça même, c'est dans cet album, et là je parle que de ça en fait, il y a un titre qui s'appelle Dilaté qui veut dire réunissons-nous. On va l'écouter tout à l'heure si c'est possible. Voilà, Dilaté, c'est vraiment dans le refrain je dis, si on ne se réunit pas, si on n'est pas nos forces ensemble, ça va être le cataclysme quelque part, tu vois, parce que c'est vrai. Le seul intérêt qu'on a en réalité de toutes nos batailles, que moi je qualifie de stupides finalement, parce qu'elles convergent toujours vers le même sens, le profit. Toujours le profit. Si on met cette énergie à vraiment s'intéresser à son voisin, je vous assure que non seulement il n'y aura plus jamais de famine sur Terre, parce qu'il y a de quoi manger en réalité pour tout le monde, et on n'aura pas de guerre. Alors, c'est utopique, hein. Je rêve mais je sais que quelque part, on a intérêt à revoir nos copies, tous tels que nous sommes, et savoir justement d'où nous venons, notre histoire, comment elle est faite. Notre histoire à tous. Comment est-ce qu'elle est faite? Notre histoire, elle est commune. Elle est commune, notre histoire. Mais oui. Bah, t'as beau refuser que je ne suis pas ton cousin, mais dans l'ADN, je suis... ton cousin ou ton père même, ou je sais pas, c'est comme ça, mec. Donc il faut l'accepter à un moment donné, et que on n'y peut rien de toutes les façons, parce que on peut toujours cacher les choses qui ont été faites, pas très agréables, on sait, tout le monde le sait, mais on peut pas le cacher longtemps. Donc au lieu de se battre et essayer de trouver des batailles un peu stupides, on sait que ça ne cessera jamais. Donc la seule solution, c'est de converger vers le même sens tous. En réalité, notre vrai combat, c'est celui-là. Moi, je qualifie ça comme ça. Tu vois, notre toit là qui fuit, où tout le monde pense que c'est de la connerie. Tu vois, moi, j'ai pas envie qu'il s'écroule un jour. Peut-être que je serai plus là, mais mes enfants, mes petits-enfants, j'aimerais leur laisser un endroit plutôt sympa. Bien sûr. Le vivre ensemble. Bah, absolument. Le vivre ensemble et d'avoir une sorte d'unité fraternelle. Oui, mais ça c'est le rêve de tout le monde. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut inclure les gens. Après, à un moment donné, que ce soit par la musique, la poésie, la littérature, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais il faut aussi se rendre compte. On peut pas. James Baldwin, il disait quelque chose de très intéressant. Quand l'innocence, on peut pas rester innocent toute sa vie. Et donc à un moment donné, quand l'innocence est passée, on sait que l'innocence est passée et on conjoue quand même à l'innocent, eh ben on devient des monstres. Et à un moment donné, les gens, en tous les cas, moi dans certains milieux qu'on peut fréquenter, les gens ils sont là, ils sont très, très fraternels. Ouais. Très hippie, très... même des fois, même en ce qui concerne les musiciens noirs,
la solution amoureuse, comme dirait Jean-Claude Charles, ça peut être quelque chose de très malsain. La solution amoureuse peut être quelque chose de très malsain, parce que la personne peut être avec toi pour dire, bah, je suis avec toi, tu vois, j'aime les gens comme toi. Mais en fait, non. Et donc, à un moment donné, il faut que la prise de conscience... Moi, je pense, comme tu dis, ça nous concerne tous. Mais c'est aux gens qui font du mal. C'est comme si je croise le diable, je veux pas me battre contre le diable, je veux juste lui dire, tu as besoin de retourner à Dieu. C'est ce que je vais lui dire, je vais pas me battre avec lui parce que ça ne sert à rien. Donc c'est aux gens qui ont le pouvoir de changer leur attitude. Nous, nous sommes juste des artistes, nous pouvons juste essayer par la chanson, la poésie, la littérature, d'essayer de passer le message, de mettre des bémols pour que la douleur soit moins grande. Ouais. Mais c'est aux gens qui dirigent, quel que soit l'endroit où ils sont sur la planète, mais c'est aux gens de pouvoir de changer. Tu sais, les gens qui ont le pouvoir, ils ont le pouvoir parce qu'on leur a donné le pouvoir en réalité. C'est pas vrai. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Bah, des fois, les gens... Non, mais tu sais, les gens qui ont le pouvoir, tu peux prendre le pouvoir de différentes manières. Et les manières par lesquelles tu prends le pouvoir... Plus habituel, c'est la ruse et la violence. Le peuple a fait bouger beaucoup de choses, hein, tu sais, parfois. Hein. En tout cas, vous deux, la musique vous réunit, hein, voilà. Ah bah oui, et puis de toutes les façons, on parle le même langage. Le même langage, avec des mots différents parfois. Moi, je suis qu'un artiste, comme je dis souvent, je ne suis pas un intellectuel, mais n'empêche que je suis très curieux et mon rôle dans la société, je pense, je me considère comme un observateur en fin de compte. Ouais. Et j'observe justement... C'est ça même le rôle de l'intellectuel, tu sais. L'intellectuel, c'est des choses internes. Les gens, ils mettent le mot pour... Des fois, moi, les plus grands intellectuels que je connais, moi, jusqu'à maintenant, ça reste mon grand-père, parce que je me souviendrai toujours toute ma vie. Tu vois, on se comprend. Hein, oui, bien sûr, mais tu sais, mais la culture, c'est un pays. Être cultivé, c'est savoir cultiver son jardin, c'est un paysan. C'est ça. Le côté intellectuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas, peut-être que tu es un peu jeune, Lydia, mais en 83, il y avait eu quelque chose en Haïti qui s'appelait le PEPADEP. Le PEPADEP, c'est-à-dire que des gens, des blancs, ils sont venus dans le village, ils ont tué tous les cochons noirs. Voilà. Et tout ça pour ruiner les paysans. Et à un moment donné, il y avait... C'était exprès, pourquoi ils ont... Ils ont dit que les cochons noirs étaient malades, les cochons haïtiens étaient malades. Donc ils sont arrivés. Nous, nos cochons, c'est les cochons des paysans, ils mangeaient des graines d'avocat. On vivait avec nos cochons. En plus, c'était symbolique, parce qu'au Bois Caïman, dans la légende, c'est un cochon qu'on a sacrifié, un cochon noir. Et donc, d'un seul coup, pour venir encore nous nuire, ils sont arrivés à Fondénègre, les agronomes blancs. Ils ont dit, vos cochons sont malades. Vous devez les tuer. Et moi, je me souviendrai de mon grand-père toujours, parce qu'il a regardé cet agronome. Il lui a dit, vous venez là avec un savoir très, très obscur et très malsain. Nous, on ne sait pas lire vos livres, mais nous savons lire la carte du ciel, et c'est la chose la plus importante pour nous. Et donc, moi, à partir de là, ça, moi, je trouvais que mon grand-père, c'était le plus grand intellectuel du monde. Mais voilà. Tu as complètement raison, d'ailleurs. Complètement raison, hein. Tu as complètement raison, parce que, tu vois... Moi, ce que j'aimerais et ce que je souhaite depuis tout petit, c'est de converger dans le même sens. C'est-à-dire que tout noir sur Terre, il est évident que ses racines sont en Afrique. Et la mère patrie, hein, voilà, l'Afrique. Hein. Voilà. On va dire tous les humains. tous les humains, on vient du même endroit, comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est drôle que tu parles de lire à terre du ciel. Moi, je suis fasciné par les... Dogon en ce moment, qui est un peuple assez hallucinant justement. C'est pas des gens qui connaissent des livres et machin, ils n'ont pas étudié et tout ça, et ils connaissent le ciel, c'est juste extraordinaire. L'étoile du sud, ils savent depuis la nuit des temps qu'il y a une autre étoile derrière. Il y a une autre étoile là. Ah ben justement, vous parlez de ça, hein. Il y a une éclipse bientôt là, je crois que c'est le 27, hein, le 27 juillet. Ben voilà. Mais les Dogons, comment ils le savent? Parce que depuis la nuit des temps aussi, ils disent qu'ils descendent d'une autre étoile qui est cachée derrière celle-là. Donc il y a une troisième, une deuxième étoile plutôt cachée derrière celle qu'on voit d'habitude, l'étoile du Sud. Et les scientifiques ont un doute parce que c'est quand même énorme que ces gens qui n'avaient même pas de loupe ou quoi que ce soit, eux ils viennent de le découvrir parce qu'ils ont des nouvelles machines. Bien sûr, le savoir est à l'intérieur. Donc ce sont des gens qui disent qu'ils descendent de ces étoiles. De ces étoiles-là. Tu vois, et vous venez découvrir ça seulement des milliers d'années plus tard.
pour confirmer que ce que ce peuple dit depuis la nuit des temps, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même extraordinaire. Dans la partie de ça, on peut quand même se poser des questions. Et moi, je suis fasciné par ça. Je ne sais pas si... parfois, c'est juste peut-être parce que j'ai vu tellement de choses et tellement j'ai comparé tellement de trucs aussi. Il y a trop de choses pas très, je dirais, pas très honnêtes au point de vue historique. Donc, c'est bien de rétablir aussi. Mais il y a une chose. Ouais, de rétablir un petit peu de vérité. Mais il y a une chose qui est très plus intéressante que ça encore, c'est qu'il faut des chercheurs noirs, africains ou pas. En tout cas noir, qui fasse des livres aujourd'hui pour, parce que il y aura toujours ce doute du fait que bon, scientifique oui, mais quand on compare ici il y a un doute, il y a un achat. Il faut qu'on apprenne, en fait, en gros, il faut qu'on apprenne à faire nos choses nous-mêmes si on veut. Nos points en main, voilà. Apprendre ce qui nous sommes, mm-hmm. Apprendre qui nous sommes. On c'est ça en fait. Je pense que ça fait partie de la solution, de savoir exactement d'où tu viens, ton peuple et tout, c'est quelque chose de magique. Hein. C'est bien de savoir d'où, voilà, la racine. Oui. C'est important. C'est important. Sinon, on est comme si on entendait, on ne sait pas. Voilà, il faut qu'on doit savoir. Hein. On doit savoir nos racines. Doigts, là, on dit que. On doit savoir nos racines, ouais. C'est important. Chaque arbre a ses racines. A ses racines. Planté quelque part. Ben, c'est ça, chaque être humain a ses racines qui viennent de quelque part. Et ça, c'est vachement important. Ben justement, je voulais rebondir sur ça parce que ma grand-mère m'expliquait que ma mère m'a dit quand elle est née, on l'a enterré. Ouais, on enterre. Parce que, mais ça, c'est des choses. Ben oui, parce que ça se faisait en Haïti, parce que à un moment donné. Oui, ma grand-mère. Et à un moment donné, c'est-à-dire que c'est le truc même de l'écologie maintenant, c'est de l'écologie sacrée. Mm-hmm. C'est-à-dire à un moment donné. Haïti, c'est une île, on est arrivé là, comme on parlait de racines tout à l'heure. Bien sûr, on est très fiers de notre île, mais comme on sait que nous, on vient d'ailleurs. Oui, on vient d'ailleurs. Nous parlons de l'Anguina. On ne sait pas, la Guinée, c'est l'Afrique tout entière, l'Afrique rêvée, tu sais, c'est-à-dire que c'est un autre monde. Oui, ouais. Ouais, la Guinée. Non, Guinée, ça veut dire qu'on va ailleurs, on passe sous l'eau, tu vois. Oui, quand il parle de Guinée, c'est comme s'il parlait de l'Afrique. Oui, de l'Afrique, mais ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas la Guinée, c'est l'Afrique comme entité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, les Haïtiens, ils doivent aussi commencer à dire les choses dans la lumière, c'est-à-dire ne pas ouvrir les portes. C'est-à-dire que ne pas cacher des choses, il y a des choses qui doivent rester secrètes, c'est normal. Mais il faut qu'on commence à ouvrir les portes et dire les choses. La transmission. Oui, c'est transmettre aux gens que nous, on ne fait rien de malhonnête, on ne fait rien de mauvais. Souvent, on nous accuse, par exemple les Noirs de faire de la sorcellerie. Je te comprends, mais c'est quand même extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire, mais quand, oui. Quand on y pense bien, après tous ces méfaits, toutes ces choses tellement difficiles de la base. C'est incroyable, ouais. Tous ces morts, on est toujours là, debout, en train de rigoler, en train de danser, les gens. Donc les gens, ils devraient nous célébrer. Et voilà. Et parce que quand on accuse Haïti, moi j'ai souvent eu des discussions, parce que forcément quand tu dis Haïti, je suis haïtien. Les gens, oh le pauvre, vous êtes machin. Oui, haïtien, vaudou. Voilà. Mais je vais faire une petite coupure, on va continuer la conversation tout à l'heure, on va faire une petite pause et on revient tout de suite avec Jackson Télémac et Monsieur Sangour. Les deux artistes, ben vous êtes bien trouvés, messieurs. Hein? Ouais, vous êtes bien trouvés. Formidable. Très belle rencontre. Je rappelais encore, il y aura l'éclipse le 27 juillet. D'accord, ouais. les amateurs, hein? Les amateurs, les astronomes, tout. En tout cas, moi, je serai là. Il faut des lunettes spéciaux. Il faut des lunettes spéciales. J'ai aucune idée, mais je ne savais même pas. Hein, quand je parlais des dorons tout à l'heure, je ne savais pas. C'est que, c'était un hasard, mais c'est intéressant. Ça doit être très intéressant. Voilà, voilà l'éclipse exceptionnelle le 27. Hein, la science, les éclipses. Bon, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi. À quelle heure? Parce que moi, vendredi 27 à 20h25. La Lune entrera dans l'ombre de la Terre. Oh! Je serai... derrière elle, hein, tout près Mars, la planète rouge, lui tiendra compagnie. Cela progressivement. Okay. En tout cas, il y aura une éclipse totale, hein, une éclipse exceptionnelle plutôt, le 27 juillet. Voilà, ouais. L'éclipse totale, hein, de la Lune. De la Lune, ouais. Et les infos, j'ai pris les infos sur le www.science-et-vie.com.
On va faire une petite pause, on revient tout de suite. Vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise avec nos artistes Jackson Télémac et Sango. On va écouter une petite musique et on revient tout de suite. Oui, messieurs, vous pouvez continuer. Hein. Non, c'est formidable. C'est, bon, je bégaye forcément un peu parce que on est quand même à une antenne de radio, on ne dit pas tout et n'importe quoi, mais soyons honnêtes, avec tout ce que les Noirs ont subi jusqu'ici, mais on est toujours là. On est toujours là, vraiment. On existe vraiment. C'est un truc de dingue. Donc, c'est la preuve même qu'on ne peut pas nous éradiquer comme le plan était prévu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va rester là, pleurer, en train de dire, mais on a fait ci, ça. Il va falloir qu'on prenne nos dispositions. Vraiment. Bana bana sisi ya wande weyele pasi ala ne mwendi Langwe ya muna mpo watena losi jaye bobe Bana batete bende nyongo mote mbusa nune Nakuse kwa dina bato bena bibi soboso Bana bana wane we won Yene pasi chamane mwendi Itele muna mbo watena Losija yebobe Bana makete bende nyongo Mote mbusa nune Dila tepo tzongi nyasu Nadibumbe disi busa wani We Dila tepo tzongi nyasu Nadibumbe disi busa wani Moi, je prends mon doigt là. Ça va, tu fais bon tout en fait. On a dû te le dire. Si j'étais au Gabon, il y a un bon tout. Même si les bons tout sont en train de se faire. Atena dosi jaye bobe bana batete bende nyongo mote mbusa nune mamuna mbo watenge ili epase wo isibena tisuwe wa kelete tom seponda dosi jaye bobe Bana batete bende nyongo mote mbusa nune Dila tepo tzongi nyasu Kadibumbe disi busa wani we Dila tepo tzongi nyasu Kadibumbe disi busa wani Na mwale kane mune tinge na nikeje Dila tepo tzongi nyasu Sanguinha sou, nadie.
De retour dans l'émission Les Carnets de Lise avec nos artistes Jackson Télémac et Sango. Vous venez d'écouter Dilaté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce titre, Sango? Oh, Dilaté, ça veut dire en Douala. C'est du Douala, hein? C'est du Douala. Douala, en réalité, le vrai nom, c'est Ewolé. Mais on dit Douala parce que ce sont les habitants de la ville de Douala qui parlent de Douala. Donc, on va faire ça comme ça. Dans Dilaté, qu'est-ce que je dis? Le projet est simple, hein? Je dis Dilaté, ça veut dire réunissons-nous. Réunissons-nous pour éviter le cataclysme, en gros, éviter la perdition, qu'on sombre. J'invite les gens à vraiment se réunir. À se réunir. Réunir sa force. Réunir la force, oui. À réunir leur force. Ouais, ouais. Pour être plus fort. Dit la tinguinha, sunguinha, c'est la force. L'union fait la force. L'union fait la force. C'est ça notre devise, hein, sur notre drapeau. L'union fait la force. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. C'est vrai, c'est pas. Tu sais, mais c'est très, très vrai parce ce que tu dis, parce que je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, mais j'en ai entendu d'autres, hein, qui parlent de. Oui, parce que ça fait longtemps, tu vois. Donc il faut commencer. Il faut commencer à appliquer les choses. Ouais. Voilà, c'est. Mais en tous les cas, moi j'ai beaucoup aimé le son. Et finalement, c'est ça qui est magique avec la musique. On n'a pas vraiment besoin de comprendre les mots pour ressentir. Pour ressentir, voilà, hein. Et c'est ça qui est intéressant et magique aussi. Voilà. Les vibrations. J'ai ressenti quelque chose de très fort. En tout cas, ce titre m'a fait. Franchement, m'a fait quelque chose. Et pourtant, je ne comprenais pas grand-chose dedans, mais c'est. La musique, voilà, comme je disais, c'est universel. Ouais, c'est la force. On n'a pas besoin de se comprendre. Voilà, c'est ce qu'on ressent. Ouais. C'est très fort. Hein. C'est comme tout le reste. Voilà, c'est ça. Hein. Jackson Télémac, tes influences, il y en a beaucoup, hein? Oui, mais les influences sont multiples. Chaque pas qu'on fait dans la vie, on est influencé. Chaque bien rencontre sûr, qu'on fait, on est influencé. Reggae. Après, oui, après, scène, dans ce qui m'a accompagné musicalement, qui m'a donné envie de jouer, c'est bien sûr moi c'est comme le blues. Et le blues, pour moi, le blues c'est pas qu'américain. Je trouve que quelqu'un comme Bacon, par exemple, un chanteur haïtien, il a quelque chose dans la voix de blues. De magique. Et donc hein, voilà. Et donc moi je connais les racines du blues. Bien sûr. Donc toutes ces choses-là m'ont beaucoup influencé dans la chanson française aussi, parce que moi j'aime beaucoup la littérature. Et comme on parle français. Un poète, hein. Voilà, comme on parle français, donc j'aime bien aussi. Tu écris un petit peu des textes de poèmes. Oui, j'écris des nouvelles, des contes. Et après, j'aime pas la poésie en alexandrin, enfin, comme on a pu nous l'apprendre à l'école, je trouve ça plutôt casse-couille. Mm-hmm. Mais l'idée de dire, par exemple, le soleil, c'est l'œil de Dieu, je trouve que là, c'est une idée poétique. Oui. Voilà. Et moi, j'aime bien les idées poétiques. Je pense qu'on peut vivre une vie poétique. Quand j'écris en français, j'essaie quand même de rester dans ce que j'entends par idée poétique. Voilà, comme tu dis, hein, tu es un amoureux. Hein, un amoureux de la poésie, c'est ça? Tu as commencé au lycée? Oui, oui. Tu as commencé au lycée, après à jouer de la guitare de manière autodidacte. Tu n'as jamais été, tu n'as jamais pris des coups de. Non, moi j'ai jamais. Enfin, après, il y a l'inné et l'acquis. Donc la pratique aussi, on acquiert pas mal de choses en pratiquant. J'ai beaucoup pratiqué, mais j'ai pas eu. Il y a des gens qui ont des maîtres. Il y a des maîtres de tambour, des maîtres de guitare, des maîtres de yoga, des maîtres pour plein de choses. Moi, c'est pas que ça m'aurait dérangé d'avoir un maître, mais j'ai été obligé de me débrouiller tout seul parce que la musique que je voulais faire, moi, je l'entendais. J'ai eu cette chance-là d'entendre la musique que je voulais faire. Passionné, tous les musiciens sont des passionnés de toute façon. Bien sûr, j'aime beaucoup Hendrix, j'aime beaucoup toutes ces choses-là, en plus de Azor. Donc dans ma tête, il y a Azor qui joue du tambour. Du tambour, tu joues aussi. Tu voilà. Aussi. Et donc c'est ces mélanges-là entre la musique des Noirs américains, parce qu'ils ont donné beaucoup de force, les Noirs américains, avec les voix, tout ça, le gospel. Et puis plus nous, nos rythmes de canne à sucre. Le rythme pétro, je pense que ça m'a vraiment beaucoup influencé. C'est trop beau, j'ai trop belle.
les extrêmes dans ma musique, c'est la guitare de Jimi Hendrix et le tambour de Vincent. Waouh, quel beau mélange, hein, mais d'espace en go. Ah, ça parle. C'est magique tout ça. Et moi, j'aime la musique, hein. J'aime le mélange, hein. J'aime tout ce qui est éclectique. Hein. Je stagne pas sur un. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à un moment donné, j'aime beaucoup Azor parce qu'il a ouvert une porte. On disait tout à l'heure que nous, on, après, comme disait le frère, après ce qu'on a subi, les gens, ils ont encore l'audace de nous accuser de faire de la magie noire. Et moi, je discutais avec un protestant haïtien, il n'y a pas très longtemps, il me disait, tu fais de la musique du diable. Il me dit ça. Je lui dis, moi, je ne connais pas le diable. Mais je lui dis à un moment aussi, et à un moment donné, je lui dis à un moment donné, il va falloir qu'on se ressaisisse. C'est dingue, hein, c'est parce dingue. Que je lui dis si Haïti est dans un état comme on le connaît depuis deux siècles et que tu nous dis en plus qu'on sert le diable, parce que pour moi le diable il donne du pouvoir, Dieu donne la sagesse, le diable donne le pouvoir. Je lui dis quel est le pouvoir des Haïtiens, que le diable, donc les Haïtiens, si vraiment c'est le diable qui les gouverne, ils devraient immédiatement licencier le diable, sans préavis, sans lettre, sans rien, parce que ça, le diable haïtien, il est particulièrement incompétent. Voilà ce que je dis à monsieur le pasteur, parce que c'est extraordinairement énervant d'entendre les gens se calomnier comme ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, montrer aux gens que nous, ce qu'on fait, c'est plutôt convoquer des bonnes énergies pour essayer de soigner le monde, et que la vraie sorcellerie, la magie noire, s'ils veulent vendre de la magie noire, ils ont qu'à aller place de la Concorde, ils ont qu'à aller aux États-Unis, voilà, et pas nous prendre ce truc-là pour nous, moi, et nous faire souffrir avec. Ce qui est vraiment compliqué pour nous, hein, les Noirs en général, c'est justement, c'est qu'on a tellement montré du doigt diabolisé, pour ainsi dire, nos rites, nos façons de faire, que effectivement vaudou égale mauvais, magie mauvaise, et c'est un truc négatif. Et de qu'un pasteur te dise oui, faut arrêter ça, bah oui, pasteur, il est pasteur, c'est pas pourquoi il est pasteur, il est juste pasteur. Et il faut lui demander. Il avait un rapport. Enfin, mais moi je trouve ça insupportable. Parce que c'est en train de tuer, que ce soit en Afrique ou en Haïti ou au Brésil. Parce que la vraie guerre, elle est là. La vraie guerre, elle est là. La guerre, elle est spirituelle. Donc à un moment donné, quand les gens ils sont dans cet état d'esprit-là, c'est très difficile parce que si je me dis, mais comment on peut penser un truc pareil, quoi? Parce qu'on peut être dans une misère comme ça. Et puis dire que c'est parce qu'on sert le diable qu'on est dans la misère. Ouais. C'est insupportable, mais vraiment. C'est enfoncé encore plus. C'est insupportable. C'est moi, c'est pour ça que je fais cette musique-là. C'est la musique que je fais, moi, c'est pour justement rééquilibrer. Voilà. Il faut commencer à rééquilibrer les choses. Je parle pas mal des ancêtres, moi, souvent, dans les chansons. Parce que, en fait, c'est une façon pour moi de ne surtout pas oublier d'où je viens et où je vais. C'est-à-dire que quand je pense à mes ancêtres, j'essaie de penser à tout ce qu'ils étaient, à tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils ont essayé de faire. Donc ça m'emmène de plus en plus loin. Et c'est un travail qu'on a à faire tous, parce que, effectivement, tu vois, ta poésie en français, c'est juste extraordinaire. C'est très joli ce que tu écris. Quand tu es arrivé tout à l'heure, c'était une de tes chansons qui passait. C'était très, très beau. Hein. Oui, c'était le titre. C'était quel titre? Oui, c'est plutôt une histoire. C'est une histoire. Ouais, ouais. C'est l'histoire du primitif, de la vie. Mais toi. Franchement, ça te prend. Ouais. Ça te prend aussi. Hein. Ouais. Oui, parce que moi, je crois encore à la force de la parole. Depuis tout à l'heure, on parle. C'est aussi de faire tomber des bonnes vibrations, parce que la parole, c'est extrêmement précieux, c'est extrêmement important, et c'est tout ce qui nous reste. Donc, du coup, autant l'utiliser. La communication, c'est un peu, voilà, dans un couple, s'il n'y a pas de communication, voilà, on peut communiquer, mais c'est se parler. Oui, se parler, des fois, oui, c'est les gens, ils doivent se faire face. C'est un homme et une femme, on était dos à dos, on se retourne, on est face à face, il faut qu'on essaie de se faire face le plus longtemps possible. Ouais.
Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, dans l'émission Les Carnets de Lise avec les artistes Sango et Jackson Télémac. On est en train de parler de leur musique, sachant qu'ils sont auteurs, compositeurs, interprètes. Tout à fait. Quelles sont justement les collaborations que vous avez eues, tous les deux hein? Vous en avez eu beaucoup, c'est certain. Bon, on ne va pas tous les énumérer. Non, je collabore avec des très bons musiciens. Je n'en doute pas. Connus, ouais. Pas connus aussi. Mmh. Hein. J'ai un peu ma bande actuelle. J'ai par exemple un garçon qui s'appelle Guy Sangé avec lequel j'ai réalisé cet album. Guy Sangé, c'est un bassiste camerounais qui est pour moi l'un des meilleurs réalisateurs africains aujourd'hui. Il a ce côté où il va écouter exactement comment est-ce que tu es, mais en amenant ça un peu en Afrique. Mmh, donc tu peux te battre avec lui à ce niveau-là. Très intéressant. C'est avec lui que j'ai fait cet album, qui est un très très bon. Le nom de l'album, est-ce que vous pouvez nous le rappeler hein? Le nom de l'album, c'est Eyala. 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 Et mon nom, c'est Sango Ndedi Ndolo. D'accord. Sango Ndedi Ndolo. Ndolo. Ndedi Ndolo, je crois même pas que je suis en train de le dire avec ma bouche. D'accord, Sango Ndedi Ndolo. Ndedi Ndolo. Je ne vais pas, voilà, avec mon accent. Ndedi Ndolo. C'est facile. D'accord. Ouais, tu me parles de collaboration. Oui, de collaboration. Je vais réitérer la question pareil aussi pour Télémac. J'ai côtoyé, je travaille avec des grands bonhommes comme, je sais pas moi, Quincy Jones par exemple, qui est un peu un tonton pour moi. Vous avez voilà. Collaborer avec lui? Alors on a un joli projet ensemble, mais il m'a invité à faire des shows pour lui 4-5 fois. Ah, j'aimerais bien rencontrer ce numéro, waouh, c'est une légende, hein? Bah, disons que je parle de lui parce qu'effectivement, c'est un en dehors d'être le Quincy Jones qu'il est. Mais c'est quand même un patriarche africain, hein. Tu sais, c'est un baobab. Et puis, il a une histoire assez hallucinante. Baobab, ça veut dire quoi pour les auditeurs hein, c'est baobab, c'est-à-dire que, tu sais, on dit que les anciens, c'est des livres. Et Quincy n'est pas né en Afrique, il n'a pas grandi là-bas. Il est né aux États-Unis, c'est l'esclavage qui l'a emmené là-bas. Il a retrouvé ses racines avec l'ADN. Il y en a pas mal qui font ça maintenant et il s'avère son ADN dit qu'il est bantou du Cameroun. Ah, avec l'ADN qui font ça. Oui, il y a beaucoup d'artistes noirs américains qui font ça, africains, des noirs, même des haïtiens, des antillais qui font ça, hein. Avec l'ADN on peut retrouver tes origines, pile poil où tu viens. C'est-à-dire qu'on va te dire, tu n'auras plus un doute, on va te dire que tu as un Bassa, un Bantou. Aussi encore un Indien. On est Taïnos aussi. Taïnos aussi, c'est vrai, il y a eu un mélange de. Donc avec l'ADN, on retrouve la trace exacte. Et M. Quincy a fait ses démarches. Mais quand je l'ai rencontré, je ne savais pas tout ça. C'est un vieux monsieur, hein, il a un certain âge. On a parlé de jolis projets que moi j'aimerais vraiment voir parce que ça peut être intéressant pour la jeune génération. Ben oui, bien sûr. Comme je dis toujours, il faut transmettre tout ça à la nouvelle génération. Et Jackson Moi j'ai collaboré, j'ai fait pas mal de premières parties. D'artistes divers et variés. Tout à l'heure, on parlait de Lokua Kamza. Oui, Lokua Kamza, un grand frère. C'est des musiciens extraordinaires. Puis en plus, il y a l'école du Cameroun à la basse. Les Camerounais sont extraordinaires à la basse. Et c'est un peuple vraiment de musiciens extra. Et puis sinon, bon, moi, je vais plutôt évoluer dans le milieu du rock. Pas alternatif, mais voilà, moi, j'appelle ça plutôt de l'afro-rock. De l'afro-rock. Ouais, et donc, par ce biais-là, j'ai eu la chance de partager la scène avec quelqu'un que j'aime beaucoup, ça s'appelle Tricky. Vous êtes bien tous les deux, hein. plutôt dans cette vibes-là moi je suis pas spécialement de la musique pour faire danser les gens.
C'est plus une musique de vibration. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, non, bien sûr. Non, mais bien sûr, parce qu'il y a un côté où il y a un côté, des fois. Je vois ce que tu veux dire. Des fois, justement, on est afro, ouais. Donc on doit danser, on doit faire de la musique, faites-nous rigoler. Il y a différentes façons de danser, on peut danser avec les... Moi, bien sûr, les gens ils dansent, moi je fais une musique qui tend à amener les gens à la transe, parce que c'est l'idée même de la musique, mais on peut même rentrer en transe sur du Mozart. Donc à partir de là, moi c'est la démarche que je veux faire, c'est emmener les gens dans un autre univers. Et tes projets actuels, j'ai vu que... Moi, j'ai fait pas mal de trucs cette année. Primitif de la ville, voilà. Primitif de la ville, je suis toujours dessus et c'est mon projet qui sera jamais terminable. Ça fait un petit moment, hein. C'est une œuvre. Oui. Enfin, moi, j'essaie de travailler plus dans l'idée d'une œuvre. Voilà, donc Primitif, c'est une œuvre, c'est aussi c'est un livre, c'est un disque, c'est aussi une histoire, c'est aussi un film. Donc ça met du temps. Faut rencontrer des gens, parler du projet, parler de l'idée, quoi, parce que moi je pense vraiment qu'on est vraiment dans le monde des idées, donc... Tu l'as déjà commencé, ce projet? Oui, bien sûr, je l'ai commencé, je devais le sortir avec un label, mais finalement ça s'est pas fait, donc comme d'habitude, faut faire soi-même, et donc du coup je fais moi-même. Oui, il faut aussi... J'ai fait pas mal d'expériences, là j'étais parti à Venise, faire le lien entre justement l'architecture et la musique, Venise et Port-au-Prince et Saint-Denis, essayer de trouver des liens, comment Venise a eu le pouvoir que Venise a, et donc voilà, retrouver des choses un peu mystérieuses qui gouvernent le monde, qui est derrière le monde que les gens ne voient pas tout le temps. Donc, des choses cachées. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on crée des œuvres aussi, c'est pour essayer de mettre les gens les choses autrement. Donc, et je travaille aussi sur avec une comédienne, on va jouer dans les Hautes Alpes là, sur une exploratrice qui s'appelle Alexandra Davinel. Et je travaille aussi pour un site littéraire qui s'appelle Bélier.org, avec de jeunes journalistes haïtiennes extrêmement connues. Ah, c'est intéressant ça, tu fais beaucoup de choses. Hein. Qui font un travail extraordinaire, donc on essaye de pas faire comme Don Quichotte, se battre contre les moulins à vent, mais on essaye quand même d'essayer de mettre l'idée haïtienne quand même en avant et de dire que nous sommes une puissance culturelle et qu'on va se servir de soft power pour faire parler d'Haïti autrement. Voilà. Très bien, Jackson. Sango Ndidi Ndolo. Le concert. Il y a un concert le 27. Le jour de l'éclipse. Bah oui, c'est vendredi. À 20h30 sur la péniche Bauer 2. Bauer 2 sur les quais de la gare. Pylône 9. C'est dans le 13e. Entrée gratuite, les gens. Ah, il faut le dire. Ça, c'est intéressant. Entrée gratuite, il faut le dire. Ouais. Venez, le dire. C'est l'été, on va s'amuser. Voilà, la musique, c'est pour. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook en disant « Mais non, un artiste comme toi, il faut payer. » Venez déjà, vous payerez après. venez partager. Il faut partager sans modération sur Facebook. Il y a là qui est sur les réseaux sociaux. En fait, l'album, il y a là, je l'ai sorti en téléchargement. Apparemment, beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Justement, l'occasion de leur dire. C'est ça. Voilà, donc l'album, il y a là, est sur 35 plateformes de téléchargement. On peut pas y trépasser. Vous mettez mon nom, vous mettez Eyala, vous tombez sur l'album. Sango Ndidi ou Eyala, non. Peut-être l'orthographe aussi, peut-être Eyala. Sango, S-A-N-G-O, c'est très facile. Ndidi, N-D-E-D-I, Ndolo, N-D-L-O. Voilà, c'est très simple. Oui. L'album Eyala. L'album Eyala. E-Y-A-L-A. Voilà, qui est sur le tatami en ce moment, et je dois le présenter partout, cet album. C'est surtout ça, j'ai envie de le faire connaître, aller en Haïti. Oui, bien sûr. On en a parlé avec votre Jimmy, non, il y a ton ami là, Jimmy Jean-Louis. Avec Jimmy Jean-Louis et puis Jean-Louis. Avec l'ambassadrice de France. D'accord, madame d'Haïti en France, oui. Tout à fait. Et ce serait bien. Moi j'aimerais. Madame Vanessa Matignon, la motte. C'est ça. J'aimerais bien qu'on organise quelque chose de cossu, aller là-bas, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. En tout cas, je vous invite à télécharger.
l'album Yala en téléchargement. Ouais. Et Yala qui veut dire la parole. Qui veut dire la parole. À partager au maximum, surtout le concert le vendredi 27 juillet 2018 à la Péniche Bauer 2, ouais. Pylône 2, 19 quai de la gare, dans le 13e à Paris. Exactement. On invite tout le monde à venir. Venez, c'est beau. Venez, venez nombreux, venez, venez encourager. Vous savez qu'il y a la Coupe du Monde féminine. Oui, en ce moment. Et la Coupe du Monde France, féminine, d'ailleurs. En France, en Bretagne. Les Grenadiers. Les Grenadiers, voilà. La Coupe du Monde des Grenadières. Hein. La Coupe du Monde, vous savez, féminine de football des moins de 20 ans. Et sa 9e édition de sa création en 2002. Elle a lieu tous les deux ans pour cette 9e édition qui se déroule en Bretagne du 5 au 24 août prochain. Il y aura 32 matchs avec la participation de 16 équipes, dont Haïti. Mais il faut venir soutenir Haïti. Il y a Haïti et Chine le 6 août. Il y a Haïti contre Nigeria le 9 août. D'accord. Et Haïti contre l'Allemagne le 13 août. C'est pour la première fois, vous savez, qu'une sélection haïtienne de football féminin participe à une phase finale de Coupe du Monde. Pour cette raison, tous les membres de la communauté haïtienne étrangère, les amis d'Haïti, de France, doivent, doivent aller en Bretagne, doivent nous supporter, supporter force, force aux équipes. Voilà. Aux Grenadières. Cette sélection, pendant ses trois premiers matchs de groupe, comme je viens de le dire tout à l'heure, je répète, le 6 août contre la Chine, le 9 août contre le Nigeria et le 13 août contre l'Allemagne, en Bretagne. En Bretagne, il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de se faire là justement pour pouvoir partir en Bretagne. Vous pouvez aller sur le site de la FIFA pour les billets. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail durant, pendant toutes ces semaines-là. Sur la radio, dans l'émission L'écho des femmes demain, je vais en remettre une couche. Allez soutenir les Grenadières à la Coupe du Monde en Bretagne. Premier match à Saint-Malo à 16h30 le 6 août 2018 à 16h30 à Saint-Malo. Est-ce que tu seras là, Jackson? Peut-être. En Bretagne. Peut-être en Bretagne. Allez, les Grenadières. Ben, j'invite aussi Sango. Ben, écoute, si je passe dans les parages, ouais, avec grand plaisir. Voilà, moi je t'avais dit aussi, je ne sais pas si ton ami Jimmy est au courant, sûrement, hein, de lui en parler que Haïti va jouer le 6 août à Saint-Malo, le 9 août à Saint-Malo avec Nigeria, et le 9 août à Vannes en Bretagne avec l'Allemagne. Ok. Avec l'Allemagne. On va faire une petite pause, mais on revient tout de suite. Messieurs, vous étiez au courant de cette Coupe du Monde? Oui, j'étais au courant. Vous avez parlé un petit peu. Mais bon, le foot, c'est quelque chose de totalitaire. c'est moi, j'aime le foot. Oui, moi aussi, j'aime le foot. Mais ça, quand même, ça nous prend trop d'espace. Ah, moi, je trouve le foot féminin pas assez. C'est la chose populaire qui réunit tous les êtres humains. Ah non, mais moi, j'ai rien contre le foot. J'ai joué comme tout le monde. Je comprends la magie du foot. J'ai rien contre, mais c'est vrai que c'est trop. Regarde la Coupe du Monde, la France a gagné. Moi, c'est comme si c'était l'équipe africaine qui a gagné. T'as vu le monde? On a même un haïtien, on a moitié haïtien, moitié camerounais dans l'équipe. Comment il s'appelle? Oui, il y a. Dembélé. Voilà, il est moitié haïtien, moitié camerounais. Voilà. Tous sont d'accord pour dire ça. Je sais pas si c'est le président vénézuélien. Quand il voit Oumtiti jouer, il voit Mbappé jouer, il dit que l'Afrique a gagné. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Tu sais, on peut toujours nier des évidences, mais à un moment donné, c'est tellement gros que bon, cette affaire, on va avancer. Tout ça va se passer et tout ça en fait arriver. On a la preuve tous les jours que ce pays, que la France, a intérêt à obtenir ce qui est en train de se faire. Tu sais, tous les biens en Afrique, c'est dans l'Europe, tout ça. Donc, l'alternance, c'est pas.
il y a des cerveaux dans ce pays. Il y a des garçons comme des gens. Tu sais, c'est comme les neurones dans le cerveau. On se retrouve à parler de ça très souvent. C'est psychologique. C'est une prison psychologique. C'est déjà, c'est en s'en rendant compte qu'on commence déjà à t'échapper. Parce que les gens qui se rendent pas compte, moi, dans le milieu, justement, intellectuels, les noirs, les écrivains, les journalistes, les gens, c'est des cingouins finis. Parce que, non, mais c'est vrai. Sinon, ça changerait. Les gens, ils travaillent contre eux-mêmes, les intellectuels. Ils travaillent contre eux-mêmes, c'est des cingouins finis. Rappelle-moi, ça veut dire un cingouin. Un cingouin, un méchant. Ouais, oui. Non, c'est même pas méchant, c'est du crétinage. C'est bon. Joli mot en tout cas. De retour dans l'émission Les Carnets de Liz avec Jackson Télémac et Sango Ndidi Ndolo. Les artistes, nos artistes qui sont dans les studios de la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Vous pouvez nous écouter sur WhatsApp par le numéro de téléphone 0781. Non, vous pouvez, excusez-moi, appeler pour une question sur le 07 81 28 31 76. Vous pouvez nous écouter sur l'Audio Nord depuis les États-Unis en composant le 605 475 82 92 ou alors sur le www.radiopassionculturelle.com, sur le Tuning Radio ou alors sur la plateforme Média Lacaille. Nous sommes accompagnés de Jackson Télémac et l'artiste Sango Ndidi Ndolo. Voilà, j'y arrive. Hein? Ça, j'y arrive, ça va entrer. Messieurs, il est déjà 20h58, ça a passé vite. Hein? Ouais, ça a passé très, 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 très vite. Hein? Normalement, on aurait dû passer 2 heures ensemble. Bon. Voilà. C'est une belle heure qui. Je vais vous demander vos derniers mots, messieurs. Alors, on va rappeler encore le concert de Sango. Hein? C'est le vendredi 27 juillet à 20h30. À 20h30 sur Peniche Bauer 2. Peniche Bauer 2, Pylône 2, 19 non, quai. Pylône 9. Pylône 9, excusez-moi, Pylône 9. Pylône 9. 19 quai de la gare, dans le 13e. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Comme on dit chez nous, gratuit et gratis. Gratis. Tichéri. C'est gratis. Voilà. Ok, on a dit gratis, tichéri. C'est gratuit. C'est gratuit, hein? Alors, c'est vous venez. Gratis. Gratis, ça. Gratis, tichéri. Alors. On y mange d'ailleurs bien. C'est de la bouffe taille. Et vraiment, la cuisine est superbe, donc on peut boire un verre aussi, bien entendu. Mais ça va être une jolie fête, je pense. Est-ce qu'on est invité? Bien sûr que vous êtes invité, mais comment et comment? Vous êtes super invité, même. Très bien. Jackson, est-ce que ce programme t'intéresse? Peut-être oui, tu as déjà prévu peut-être autre chose. Invité, bien entendu. Moi, si je peux, je vais me libérer pour venir t'écouter avec grand plaisir. Voilà, là, pour finir, moi, du coup, moi, je vais peut-être finir avec un petit chant. Oui, bien sûr. On parlait des ancêtres tout à l'heure. D'accord. Et donc, du coup, je prends un peu de respiration. Avec plaisir. Frère-moi, on allait avec moi. C'est moi, on allait avec moi. Mets-moi dans la peine, à consoler mon. Laisse-moi décourager, n'a bon courage. L'humanité, nous l'a. L'humanité, nous l'a. Si ou non la peine, nous l'a pour nous consoler. Si ou découragé, nous l'a pour nous bar courage. Haïti, moi bralé avec vous. Haïti, moi bralé avec vous. Si ou non la peine, ma pla pour nous consoler. Si ou découragé, ma pla pour nous bar courage. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Alors. Cher artiste, Sango, ben oui. Est-ce que tu peux nous faire, si tu le veux, un petit quelque chose? Non, t'as dit musique derrière, c'était très bien, son a cappella. On va oui. faire une couche. On va pas faire une couche. On mettra. Moi, je suis très content de venir à ta radio, ça fait un moment qu'on en parle. C'est vrai. RPC Radio. Passion culturelle. Passion culturelle que j'écoute de temps en temps, hein, tu sais.
Ben, c'est gentil, merci pour la force. Mais oui, et puis j'ai envie de dire à tous tes auditeurs de rester à l'écoute, que c'est une première pour moi, je reviendrai ici, parce qu'il s'y passe de très très bonnes choses, on fait de très belles rencontres. De très belles rencontres. Hein. Alors, messieurs, je vous demande un petit dernier mot, si vous avez des petites dédicaces à faire passer, je vous en prie. Moi, je tiens à te remercier pour l'invitation. Et puis, la dédicace, c'est de dire aux Haïtiens qui écoutent d'aller regarder le site de Délier, délier.org. On fait un travail extraordinaire sur un grand, grand écrivain haïtien qui s'appelle Jean-Claude Charles. Voilà, on travaille beaucoup sur lui, c'est notre chouchou en ce moment. Donc voilà, ceux qui aiment la littérature, allez voir le travail que font les sœurs Bossé sur délier.org. Merci beaucoup. Sango and Dédé. J'étais bien torturé aujourd'hui. Tu peux m'appeler Sango, je t'en Sango, voudrais pas. Hein, Sango. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire, que je suis une fois de plus très content d'être ici. C'est une première pour moi. Et que, j'encourage tout le monde à aller découvrir cet album et à là. Parce que si je passe à Haïti, et je pense que ça va se faire. Dans pas très longtemps. Voilà, ce serait intéressant que les gens s'imprègnent de ça et qu'on chante tous ensemble. J'ai envie de partager la joie que j'ai de cet album avec les gens. Donc voilà. Bien, on a eu temps à t'attendre de pied ferme. Avec toutes tes jolies chansons, tes jolies mélodies, franchement, qui sont vraiment bien, hein, qui sont très bien. Moi, j'achète, hein. Voilà, comme disait quelqu'un, j'achète, hein. J'achète aussi, Jackson, et tu le sais bien déjà. L'émission se termine, hein. Toute bonne chose a une fin. Je voudrais faire un petit coucou au groupe Creole Mix au Canada qui était à l'écoute, Prince Love. Je voudrais faire un petit coucou à Doriska, oh là là, il y a beaucoup de personnes à... un petit coucou à l'ambassadeur d'Haïti à Londres, un petit coucou Selmi, Monsieur Paolo, on était très très Patou de la Guadeloupe, hein. Elle m'a dit ne m'oublie pas surtout Lydia, Patou de la Guadeloupe, un petit coucou à Niki, à Sandra, à l'association Femmes Potomitantes, hein. Les filles, un gros coucou. Hein. Et toutes les personnes qui étaient branchées ce soir dans l'émission Les Carnets de Lise avec nos artistes Jackson Télémac et Sango Ndedi Ndolo. Oh yeah. Vous étiez avec Lydia, Antoine. Je vous attends demain dans l'émission L'Écho des Femmes. Nous aurons la belle Stella qui sera l'une de nos invitées. Et l'autre invitée, c'est une surprise. Merci beaucoup. Restez branchés. Je vous dis à bientôt, messieurs. À bientôt, Lydia. À bientôt, merci. Lydia, merci. Merci. Ma petite musique. On termine avec. Je suis le primitif de la ville. Par où je vais, je traîne le sacré derrière moi. Même lorsque ce sacré est envolé. Oh, messieurs, merci. Le vénard sous nos pieds. Sous nos yeux et au-dessus de nos têtes. Elle est encore plus à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes donc à la recherche de l'œuvre. Abracadabra, voici et voilà l'œuvre. Il est 23h58. Je suis avec un groupe d'amis qui me ressemble. Nous faisons la queue pour entrer dans ce nouveau club dont nous avons tant entendu parler. Nous sommes dans une grande ville d'un pays du monde. Le petit groupe d'avant nous entre très facilement. Ce sont des habitués. Le leader qui préfère qu'on l'appelle physionomiste les laisse entrer sans les calculer. Le chef videur ou physionomiste vient même leur claquer la bise. C'est enfin notre tour. Les filles donnent les tickets d'invitation et disparaissent. Les garçons disparaissent derrière les filles. C'est vrai que dans ce genre d'endroit, les filles entrent très facilement. Pourtant, nous savons que le monde n'est pas facile pour les filles bientôt femmes. Pourquoi est-ce si facile d'entrer dans ces genres d'endroits pour une femme? La question mérite d'être posée. J'ai une petite idée de la réponse, mais je préfère la garder pour moi. Je suis à l'entrée du club, seul. Ce soir, c'est DJ Recycle, le platine. Je ne l'ai jamais vu ni entendu mixer. Masqué paraît, il assure un max. Enfin, avec les filles comme passeport, nous avons réussi à rentrer avant minuit. Avant que ne commence le set du DJ Recycle. C'est lui la sensation du moment. Il est exactement 23h59 et 59 secondes. J'entre pour de bon dans le club. Je et nous.
Dieu est une personne. Il n'y a rien de plus universel qu'une personne. Nous plongeons dans l'histoire en hommes et femmes, en espérant que nous remonterons en humains dignes. J'entends cette musique. Cette musique me dit vaguement quelque chose. Une voix retentit et dit: que se passe-t-il à minuit? Nous devons de l'endroit où on se trouve. Ici, si on est de la nuit, on sait qu'à minuit, il se passe des choses. Ce qui est sûr, et ça partout sur la planète, à minuit, le soleil a fait place à la lune depuis déjà quelques heures dans cette étendue d'en haut qu'on appelle aussi ciel. Leurs enfants, les étoiles, jouent comme des enfants chamailleuses qu'elles sont. Les plus turbulentes filent. Ça c'est dehors, dans l'étendue d'en haut. Mais là, à côté de moi, dans ce club, je vois un joli couple qui danse. Ils dansent langoureusement, c'est beau. Dans la chaleur de la nuit, la beauté est là. Je ne sais pas pourquoi, je me mets à imaginer une mère qui réessaye pour la énième fois d'endormir son enfant. J'entends cette mère raconter une énième histoire. Je la vois se lever, essayer de quitter la chambre de l'enfant sur la pointe des pieds. Hélas pour elle, l'enfant se réveille inexorablement. L'enfant ne veut pas dormir. Je vais encore plus loin dans l'imagination de l'intime, et là je vois des autres couples qui dansent. Ils dansent tels ce couple qui danse à côté de moi, sauf que eux le font allonger dans leur lit, sous leurs draps. C'est beau aussi. Si le soleil est sexe, sexy, la lune l'est encore plus. La nuit est douce et chaude lorsque l'on ne dort pas et que l'on a de l'imagination. Sexe le jour différent du sexe la nuit. J'imagine aussi des gens de la nuit avec des mauvaises pensées, car ces gens existent. La nuit comme le jour, les mauvaises personnes et pensées ne dorment pas. Ils existent, vivent et en ont tout à fait le droit. La nuit n'est pas l'inverse du jour. La nuit est le complément du jour. Allez, ou l'inverse. Je fixe à nouveau mon regard une dernière fois sur ce joli couple qui danse et change d'étage. Là, je ne reconnais plus rien. Cette musique, c'est quoi cette musique? Ce rythme, il va où ce rythme? Au milieu de la foule, je vois un type, il est habillé tout en blanc. J'ai l'impression qu'il fuit quelque chose, certainement des champs de canne à sucre qu'il n'a jamais connu. Moi, je n'ai pas envie de connaître ça, je n'ai pas envie de vivre ça. Le regard de ce mec est posé sur moi, ce regard m'emprisonne tant que cette musique. Putain, c'est moi ce mec, ou plutôt ce mec, c'est moi. C'est quoi ce bordel? On est où ici? J'essaye de retourner à l'endroit que je viens de quitter, là où il y avait ce joli couple qui dansait langoureusement. Hélas, trop tard. Je soutiens le regard de ce type, car je ne peux pas fermer les yeux sur moi-même. Je suis dans ce type du regard. Ils dansent et ne me quittent pas des yeux. Leur coup d'un seul, ils se mettent à courir. Une foule qui paraît hostile est derrière lui. Nous sommes aux Antilles, plus précisément en Haïti en 1791. D'où sort donc ce son de guitare électrique? Le rythme est chargé. Impossible de vous expliquer ce que j'entends par rythme chargé. Le mec arrive devant une rivière. Il ne sait pas nager. Il a un mauvais souvenir de l'eau sans doute. La foule hostile arrive sur lui. Et là, il connaît ce qu'on appelle la métamorphose. Il se transforme en papillon et s'envole. Je le vois, il me voit. Le rythme repart de plus belle. Je croise des obstacles qui sont comme des énigmes. J'essaye de franchir les obstacles, de trouver des réponses, quitte à les inventer aux énigmes posées. Mais les énigmes restent. Je me suis transformé. J'ai quitté l'Afrique, les Antilles, Haïti. Tous ces endroits sont à l'intérieur de moi. Je les traverse, je dois les traverser. J'entends la voix du type qui chante. Je vois la foule danser sur la musique et au rythme de ce type. Je me demande si cette langue dans laquelle chante ce type est une langue inventée ou si c'est sa langue maternelle. Je me dis en guise de réponse qu'il doit y avoir un message caché derrière cette musique, cet endroit, cette fête, ce club. Lorsque l'on se transforme, on se met à nu. J'enlève donc mes vêtements et me retrouve nu. Là, devant cette foule, je juste les mains posées devant mon sexe. J'ai changé d'étage. La foule est immobile. J'ai comme l'impression que les gens ne me voient pas. Si c'est le cas, c'est tant mieux, car on ne se montre pas nu. Et là, je suis totalement nu. J'entends cette musique. À travers cette musique, j'entends et vois l'Afrique. Cette Afrique qui a retrouvé ses fétiches, sa musique, sa nudité, son masque. Cela m'est mal à l'aise, mais cela n'a pas toujours été le cas. Sur une pancarte, je
juste devant moi était tout ceci. J'ai la voix du milieu, vous êtes à l'étage du milieu. Vous venez du carrefour et non du rond-point. Faut apprendre à accepter d'être au milieu et quand même invisible. La foule pleure, je ne sais pour quelle raison, mais je sens encore moins si ce sont des larmes de joie ou de tristesse. Je me retrouve à un autre étage et c'est une autre ambiance. J'aurais bien voulu m'arrêter à l'étage du milieu, mais apparemment le voyage n'est pas terminé. La musique est de nouveau meulée et mélangée. Le rythme est dansant et en même temps inquiétant. Si je pouvais définir l'air du temps, je dirais que ce rythme et cette musique sont dans l'air du temps. Je ne dis pas ça pour enlever le talent du compositeur, mais certaines choses sont dans l'air du temps. Je vois un mec qui part dans un combat qu'il est sûr de perdre. Malgré son allure de guerrier, ce mec n'a pas l'air de la guerre. Il livre ce combat car ce combat est symbolique, tout comme l'est son humanité. Cet homme livre ce combat contre lui-même pour devenir un humain avec un grand H. Lorsqu'un homme décide de marcher vers l'humanité, il livre ce genre de combat avec un grand C. Je danse là, je danse. Je suis en jean slim, je porte fièrement mes bottes. Je porte aussi une tunique grise. Je ne suis plus nu depuis que cette musique a commencé. Mes vêtements me rassurent, je danse comme je n'avais jamais dansé. Une danse guerrière, je me dis que la guerre, la bataille, amène sûrement au chaos. La vie peut être un combat, une bataille, et l'est souvent. Je me persuade alors que du chaos naîtra la beauté. Du chaos naîtra la beauté. La musique se pose enfin, les générations se parlent encore, nous n'avons pas tout perdu. Bien sûr que parfois il faut la protestation, voire l'insurrection. Souvent moi, je suis partisan des deux. Mais cela fait bien longtemps que ces idées ne sont plus subversives. Car on ne cesse de les espérer, de les attendre, de les invoquer, de les provoquer ces idées. Alors moi, le primitif de la vie, je suis pour l'humanité qui vient. Nous livrons bataille avec les armes qui sont les nôtres. L'homme, fils de femme, est en marche vers l'humanité. C'est presque la fin de la bataille. Une défaite peut être une victoire. Je suis toujours habillé et mes habits me rassurent toujours. Là, je suis au bar. Je n'ai toujours pas recroisé mes amis, mais j'en ai croisé d'autres. Soudain, cette musique, d'un coup d'un seul, je me retrouve allongé dans un lit, quelque part. J'entends des voix s'amplifient. C'est quoi encore cette musique? C'est quoi encore cette musique? C'est quoi encore ces rythmes? Putain! Je me suis encore laissé piéger. Je suis quelque part qui ressemble à chez moi, mais ce n'est pas chez moi. Dans un endroit où je passe quelque part sur cette putain de planète, je suis là dans les bras d'une déesse celtique. Elle me caresse comme caressent les déesses. Je lui raconte mes aventures.